بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ عمار بن الحسن أبو الحسن Nous continuons dans le cours à partir du livre Nurul Idah wa Najat al-Arwah du cheikh Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés au chapitre de al-Adhan wal-Iqama. maintenant le chapitre du Adhan. Son jugement du Adhan et de l'Iqama. قال: سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء او قضاء سفرا او حضرا للرجال وكرها للنساء. Donc, le jugement du أذان est de الإقامة. الأذان, l'appel à la prière الإقامة, c'est l'appel Euh, que l'on fait subitement pour faire la prière a, dans lequel on a accompli tout de suite la prière après cela donc al azan al iqama sont deux sunna mu'akkada Deux sunna muakkada. ça veut dire chez les hanafites c'est euh, le plus haut degré de la sunna Avant le wajib, avant le wajib. Il y a certains même qui ont dit que c'est wa, wajib même, que c'est obligatoire. Alors c'est une sunna muakkada. Pour les prières fardes, pour les prières fardes, on ne va pas faire le adhan ou l'iqama pour la prière de l'witr. Mais pour les prières fardes, que la personne prie toute seule. Même si elle prie toute seule, même si la personne prie toute seule, ça reste recommandé. Qu'elle l'accomplisse en son temps ou qu'elle l'accomplisse en rattrapage. Qu'elle soit en, en, qu soit en voyage ou qu'elle soit résidente. Et cela, tout cela pour les hommes, tout cela pour les hommes. Et c'est blâmable pour les femmes. Les femmes, c'est blâmable qu'elles le fassent chez les Hanafites. Maintenant, comment est effectué le Hazan? ويكبر في أوله أربعا Allahu Akbar تكبير الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر début وديفيدو أذان ويثني تكبير euh, تكبيرا تكبير آخره في اخره Et il fait deux fois le Takbir, deux fois « Allahu Akbar, Allahu Akbar » à la fin du Takbir. « Ka baqi alfazihi » Tout comme le, les autres de ces, euh, de ces paroles. Donc le Adhan, il va dire quatre fois « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ash'hadu an la ilaha illallah, Ash'hadu an la ilaha illallah » deux fois. « Ash'hadu anna muhammadan rasulullah »« Ash'hadu anna muhammadan rasulullah » Deux fois aussi. « Hayya ala as-salah »« Hayya ala as-salah »« Hayya ala al-falah »« Hayya ala al-falah » Deux fois. Et après, deux fois. « Allahu Akbar »« Allahu Akbar » Ça, c'est le « Adhan ». Quatre fois le « Takbir » au début et deux fois à la fin. Tout comme le reste des paroles, c'est aussi deux fois comme on l'a dit. « Wa la tarji'a fi » Et il n'y a pas de tardir dans, le, dans les deux témoignages. Quand on dit Ashhadu Allah ilaha illallah deux fois et qu'on dit Ash'hadu Anna rasulullah deux fois, il n'y a pas de tardir C'est quoi le tardir C'est de de, 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 de de dire d'abord les deux témoignages à voix basse et après de le dire à voix haute. Le mu'adhin, celui qui fait le adhan,

Certains, euh, des autres écoles, les érites, eux, c'est recommandé qu'ils fassent cela, mais pas chez les Hanafites. Il n'y a pas de caractère recommandé. Il ne fait pas le tarjir. <saturated> chez les Hanafites, le est comme le azan, les mêmes paroles. C'est les mêmes paroles. Ce n'est pas, il n'y a pas de euh, deux fois à la place de quatre, par exemple ou de une fois à la place de deux. Le adhan et le dans les paroles sont exactement les mêmes. Qal wa yazidu ba'da al-falah al as-salatu Si ce n'est que encore dans le adhan, il ajoute après al-falah, c'est-à-dire hayya al-al-falah al-falah hayya al al-falah. نو أذان إلى الصلاة خير من النوم دفوة وبعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح د لا إقامة dit, قد قامت الصلاة دفوة ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة Et il prend le temps, il récite, euh, il, il, il ne se précipite pas lorsqu'il fait le adhan. Il prend le temps à réciter, il fait une, une légère pause entre les deux, avant de continuer. Tandis que pour l'iqamah, il récite rapidement fil azhar et il n'est pas valable de faire le adhan en langue pharisie, en langue perse même si il est su chez les gens que ah ils entendent cela ah c'est un adhan. c'est le adhan. ça selon la vie euh, selon la vie juste apparent dans l'école c'est-à-dire, c'est la vie qui est considérée, la vie qui est donnée en fatwa. Bien sûr, ici, il mentionne la langue perse, mais ce n'est pas limité à la langue perse, mais c'est également toute autre langue. Dès lors que l'on traduit le hazan dans une autre langue, même si on comprend que ce qui est récité maintenant, c'est le hazan, alors ce n'est pas valable. ثم قال ما يستحب للمؤذن في المونسيون سو كي اي ابريسيابل مستحب بور والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله, وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله.